imaginaire. Le buste droit, c'est parti, en bas, on souffle. Seule face à 30 courageux, venus souffrir avec elle, Sabrina Guéret donne le tempo de son bootcamp qui durera plus de 2 heures. Créé il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, le phénomène est arrivé en France et touche désormais nos campagnes, comme ici, une fois par mois à Pinay. C'est rentré dans les clubs fitness et là on en fait d'extérieur assez régulièrement. Donc c'est le même principe que le mode day sans la boue. Une formule qui fait des adeptes. Après un premier échauffement, les sportifs sont lâchés sur un parcours quasi militaire. Chacun est venu pour souffrir et aller au bout de lui-même. Touche bien derrière, Célia. Touche le pneu, voilà. Souffle en montant, inspire sur la descente. Les exercices sont variés, âpres, à réaliser le plus rapidement possible. Tous les muscles travaillent. Les bras, les jambes ? Ah, les bras, les jambes, tout, les abdos. On sent bien les muscles partout, pas de soucis. On se sent vivre ? On sent vivre, exactement. Un succès dû également à l'esprit d'équipe et l'ambiance qui règne durant la séance, où chacun pousse l'autre dans ses retranchements. Il n'y a pas de prise de tête, chacun le fait à son rythme. Alors moi sur mes séances c'est vraiment ça, le but chacun est à son rythme. Et il n'y a pas de contraintes et ça permet d'évacuer un peu tout le stress de la semaine surtout. 2 heures intenses face aux éléments, de la souffrance bien sûr, mais tout le monde repartira avec la satisfaction d'avoir passé un bon moment. Ça fait du bien, on relâche tout, mais un petit peu fatigant parce que dur quand même. En plus, c'est la première fois que je le faisais, mais très bien, super bien. À refaire. Souffrir avec le sourire, pas de doute, la formule fait des ravages.